Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous avez faim, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va faire un tuto pancake. Ça va être une recette de pancake healthy, donc sain, il n'y aura pas de sucre, il n'y aura pas d'éléments transformés, ça va être tout naturel, et puis ça va même être un petit peu protéiné. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une banane, de flocons d'avoine, d'un œuf, et puis c'est tout. Donc, au niveau de la proportion, on va prendre une banane que l'on va écraser dans un saladier. On va mélanger l'œuf, on va y ajouter 40 g de flocons d'avoine et puis il n'y aura plus qu'à cuire. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par écraser la banane. Donc là, on l'écrase bien. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien écrasée comme ceci. Ensuite, on va venir rajouter l'œuf. Hop là. Sans mettre de coquille, c'est mieux. Donc on mélange bien comme il faut jusqu'à avoir quelque chose d'assez liquide. Si vous avez quelques bouts de banane, c'est pas grave. Hein. Et ensuite, on va peser les flocons d'avoine. Donc on va peser les flocons d'avoine. Comme je vous l'ai dit, la portion de base, c'est 40 g. Moi, ici, je vais mettre 80 g. Et du coup, vu que je mets 80 g, je vais rajouter un deuxième œuf, mais il n'y a pas besoin de rajouter une deuxième banane. Si vous voulez une texture un petit peu plus lisse, qui a vraiment l'air pancake traditionnel, vous avez la possibilité de mixer les flocons d'avoine. Donc maintenant, je continue de mélanger tout. Donc je rappelle, une banane, un œuf, 40 g de flocons d'avoine, ou une banane, deux œufs, 80 g de flocons d'avoine. Après, c'est vous qui adaptez en fonction de vos envies, de votre faim, des ingrédients que vous avez également. Donc maintenant, je viens tout simplement rajouter les flocons d'avoine dedans et mélanger. Là maintenant, je vais rajouter de la whey chocolat. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez même ne pas en mettre du tout. C'est tout simplement pour avoir un apport en protéines. Mais étant donné qu'il y a déjà des œufs dedans, il y a déjà de la protéine. Donc si vous n'en avez pas, c'est absolument pas grave. Ça ne change pas énormément le goût. Moi, personnellement, un goût fruité, je n'ai jamais testé. Donc je sais que la chocolat, ça marche bien. Maintenant, c'est à vous de voir. Donc une coupe de whey suffit. Hein. Faut pas en mettre beaucoup. Ça va également épaissir un petit peu... votre pâte, ça va également changer un petit peu sa couleur, mais tout ça, c'est pas grave. C'est un ingrédient optionnel. Donc vous voyez, si là maintenant on avait mixé, on aurait une pâte toute lisse, mais ici, vu que les flocons d'avoine n'y sont pas mixés, ça sera pas tout à fait lisse, mais ça va pas changer grand chose. Je commence donc à chauffer maintenant ma poêle. Je vous conseille de prendre un feu doux globalement, parce que si vous mettez ou du moins très fort pour chauffer, mais après il faudra baisser un petit peu parce que sinon ils vont très vite noircir après. On n'oublie pas évidemment de mettre de l'huile, là c'est de l'huile de coco, vous pouvez même mettre de l'huile d'olive, franchement ça ne changera pas grand chose. Ah mais papa! Pendant que ça chauffe, vous pouvez préparer des petits fruits pour mettre après sur vos pancakes. Donc moi, je l'ai fait en avance. J'ai pris des kiwis, vous pouvez prendre des figues, c'est super bon. Et puis, peu importe, c'est vous qui choisissez le fruit que vous voulez. Donc ceux-là, ils sont prêts. Également, le petit truc qui change tout, c'est mettre un petit carreau de chocolat au milieu. Comme ça, après, quand vous coupez votre pancake, il est fondant. Donc bon, si vous êtes en sèche ou en régime, ça va être compliqué. Mais si vous êtes un petit peu gourmand, n'hésitez pas. Donc là maintenant, je vais un petit peu baisser le feu, comme ça, ils vont pas brûler. Bon, si je fais des pancakes brûlés pour YouTube, c'est pas ouf. Et donc, je vais venir les poser sur ma plaque. Donc, je prends une bonne petite cuillère. Après, bon, en fonction de votre talent, ils auront l'air plus ou moins ronds. Hein. Mais... pas les faire trop épais parce que sinon après ils vont avoir du mal à cuire à l'intérieur. Vous voyez une petite forme comme ça, c'est parfait. Donc là, la petite astuce du chef, vous mettez le petit carreau de chocolat, vous mettez au milieu, vous appuyez un petit peu et puis vous venez recouvrir et ça c'est une tuerie. Voilà, comme ça. Et donc maintenant je vais faire les autres et après il n'y aura plus qu'à déguster. Donc là, vous voyez, pour environ 80 g de flocons d'avoine, 2 œufs et une banane, j'ai fait 3 bons gros pancakes.
Et puis il reste un tout petit peu, ça sera pour le caméraman derrière. Après, il faudra pas oublier bien de les retourner, c'est évident. Et puis là, ils sont vraiment fat, donc si vous avez une bonne fin, c'est parfait. Mais la première fois, faites 40 g de flocons d'avoine pour éviter tout gâchis. Globalement, c'est assez nourrissant. Pour les retourner, c'est toujours un peu délicat. Parfait. Bon, après, pas trop appuyer pour éviter de casser le carreau de chocolat. Et là, en tout cas, j'ai mis un petit feu, comme ça, ils noircissent pas. Et puis, c'est parti. A few moments later. Ils sont maintenant cuits. Je les ai encore retournés une fois en off. On n'oublie pas d'éteindre la plaque. Il n'y a plus qu'à... Donc là, comme vous le voyez, hein, je vous ai dit, j'en ai fait 3. Mais vous voyez l'épaisseur du truc. Hein, c'est des gros morceaux. Surtout celui-là. Il n'y a plus maintenant qu'à poser les petits fruits. Voilà. Et voilà. Bon, alors maintenant c'est le moment de goûter. Alors Polly, je t'invite à venir faire un gros plan sur le fondant parce que c'est quand même ça le meilleur. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est là ça coule pas, je le sais. Et regardez-moi ça à l'intérieur. Ce chocolat qui coule. Et ça, c'est quand même le meilleur. Alors bon, je vais quand même goûter. Verdict, ils sont super bons. Bon, moi, évidemment, je les connais, c'est mon petit déj régulièrement. Le fruit dessus, c'est vraiment bon. Le chocolat à l'intérieur, c'est une tuerie. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si jamais vous les testez et que ça réussit, ou si ça réussit pas, vous pouvez aussi me le dire. Vous pouvez également mettre de la confiture, peut-être même du beurre de cacahuète, c'est vraiment vous qui choisissez. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, garde la motivation, continue de te faire des bons petits plats, et puis je te dis à plus, ciao.